Bon les gars, donc Thomas et puis alias Grégory alias Petit Bichon. Hein. Ça vient d'où ce surnom-là? Ma mère qui m'appelait comme ça. Ah bon, d'accord. Okay. Bon, revenons au match les gars, quelles sont vos impressions d'après-match là? Bah ça fait plaisir. Bah, oui, ça fait sûr. Plaisir d'être qualifié. Mal aux pattes par contre. Ouais, les prolongations, toujours dur hein, les prolongations jusqu'au pénalty. Je pense qu'on le mérite hein, sur l'ensemble du match, on a eu les occasions, on a bien tenu derrière. On retient la victoire, c'est le principal, et puis on continue en championnat la semaine prochaine. Comment vous expliquez que vous faites une très bonne première mi-temps où vous pouvez marquer plusieurs buts, ouais. Hein, ouais. Vous ne tuez pas forcément le match, et puis en deuxième mi-temps, vous vous relâchez un peu, vous baissez un peu au niveau du bloc défensif, et puis vous faites surprendre en fin de match. Bah, je pense que ça s'explique physiquement, ils ont mis vachement la pression en deuxième mi-temps, ils ont rajouté un milieu offensif, ça nous a fait vachement reculer. Et je pense que c'est là-dessus qu'on pêche, on a vachement reculé derrière, on encaisse des buts logiques. Là-dessus, rien à dire. Après, on tient bien en fin de match et puis on arrache au pénalty. Un vrai match de coupe. Hein. Ouais, et surtout un match de reprise, hein, je trouve. Hein. Match de reprise, ouais, on a fait deux matchs amicaux. On a eu deux matchs amicaux avant. Eux, il paraît que c'est leur match de reprise. Là-dessus, non, ça s'est pas vraiment ressorti. Hein. Je pense que physiquement, ils étaient au point, ouais. Tout comme nous. Est-ce que vous avez un petit mot à dire au buteur? Romain Blondel. Romain Blondel, ouais. Bon, une fois qu'il en met une, c'est bon. Oui, ouais. Bah, il paraît qu'il va citer il n'y a pas longtemps. Donc, Non, bah, Romain. Félicitations. Ouais, félicitations, Romain, franchement. Beau but, mérité. Puis sur l'ensemble de son début de saison, je pense que ouais, c'est à l'image de son début de saison pour l'instant, ouais. Opportuniste. Puis Grégory, un petit mot à ton coach qui te chambre toute l'année. Bah, qu'il arrête, j'en ai marre. Parce que je paye trop d'amende, moi. Voilà. Mais c'est bon. Un petit dédicace d'autres joueurs, c'est profitez-en. Ouais, bah on peut dédicacer à Geoffrey, à Titouan aussi, notre gardien, Arbel aussi, bon bah, qui n'est pas rentré aujourd'hui, mais on peut le remercier. On va tous les citer, Aksu le Galou, Hugo le Galou, Alpatch aussi, Alpatch, Arthur Capitaine, Arthur Péco, Thomas Langsvert, Valentin Michelski aussi, comme ça on peut les citer, ils sont tous, ils mettront tous une pièce. Ah oui, parce qu'il y a une petite cagnotte, ouais, en fin de saison. Ouais, il y a les amendes. Ouais. Quand les noms sont cités, il y a amende. Christopher Trélu aussi. Christopher Trélu qui a fait un match de merde encore. Benjamin Allard. Arnaud Gillard aussi. Gillard qui sort sur blessure, dommage. Il sort sur blessure, ouais, ça c'est dommage. Ouais. Je pense que ça va être une perte. Ouais. Pedro et Corzé, c'est quand même un club sacrément chambreur quand même. Ah bah, chambreur, beaucoup, familial. Beaucoup, très familial. On rigole bien. Vous avez rien dit sur le coach? Le coach, Kirikou. Kirikou, faut l'appeler comme ça. Jérôme Dumontant, c'est Kirikou. Kirikou. Pour quelle raison? Le petit bonhomme, il est tout petit. D'accord. Okay. C'est ça.